Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Je vais vous raconter l'enquête sur l'assassinat en 1995 du champion de France d'échecs Gilles Andruet. Ce qui va permettre au passage d'ailleurs d'entrer dans la vie d'un être complètement à part, car ce Gilles Andruet était un génie absolu, mais c'était aussi une tête à claque phénoménale. Pour répondre à la question « qui l'a tué ?», la police et la justice ont mis 20 ans. Et encore, vous verrez, le résultat laisse un léger goût d'inachevé. Pour le débrief, maître Pascal Garbarini du barreau de Paris, avocat de la partie civile, en l'occurrence du père de la victime, Jean-Claude Andruet, coureur automobile célèbre à l'époque. J'ai écrit cette histoire avec Hawkis, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Le 22 août 1995, au petit matin, aux alentours de 7 heures, une maraîchère est dans son champ à Sceaux-les-Chartreux dans l'Essonne, au bord d'une rivière qui s'appelle l'Yvette. On est à une demi-heure de Paris quand ça roule bien. Et là, elle aperçoit un bras qui émerge de la rivière. Un bras en l'air qui semble dire « Ohé, venez voir !» Mais elle ne va pas voir, ça lui fiche la trouille. Et on la comprend. Elle appelle les gendarmes. Et eux, ils vont voir. Ils entrent dans l'eau. Vas-y, vas-y, aide-moi à le prendre. Par les jambes, vas-y. Et ils remontent le corps d'un homme enroulé dans une alèse de matelas. Elle devait être blanche. Elle est gorgée de sang. Bon, le légiste confirmera, mais vu l'état de conservation du corps, je dirais qu'il n'est pas là depuis longtemps, hein, ce cadavre. Dites, madame, venez, il était là hier, ce corps ? Ah ben non, je vous aurais appelé. Je suis certaine qu'il n'était pas là. Le visage, le cou et le dos sont couverts de blessures. Le type a l'air d'avoir la trentaine. Dans ses poches, il y a un bifton de 50 francs et quelques pièces de monnaie. Mais pas de papier. Bon ben voilà, il va finir dans un tiroir en inox à l'Institut médico-légal. Avec une étiquette non identifiée sur le gros orteil. Deux jours plus tard, à 2 kilomètres de là, on trouve une Ford Sierra abandonnée. À l'intérieur, il y a des traces de sang partout. Et dans la boîte à gants, un permis de conduire taché de sang, lui aussi. Le type sur la photo ressemble beaucoup au cadavre de la rivière. Bon, Gilles Andruet, 37 ans, domicilié à Antony. Voyons la carte grise. Elle n'est pas au même nom, dis donc. Le propriétaire de la voiture s'appelle Chaloum Zenou. Le gars est immédiatement interpellé. Bien, monsieur, vous connaissez Gilles Andruet ? Ouais, depuis au moins 4 ans. Comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé son permis de conduire dans votre voiture, monsieur ? Ma Ford Sierra ? Non, mais je l'ai vendu. Je l'ai croisé il y a 10 jours au casino Anguin, il la voulait, ben je lui ai vendu 45 000 francs. Il n'a pas dû avoir le temps de changer la carte grise, c'est tout. Et comment est-ce qu'il vous a payé ? Ah, il m'a payé par chèque, mais en me disant de ne pas l'encaisser tout de suite et d'attendre le 22. Et il m'a dit que ce jour-là, il allait recevoir une grosse somme d'argent. C'est la police judiciaire de Versailles qui récupère l'enquête, avec une légère pression. Figurez-vous que ce Gilles Andruet est célèbre. Oh, ben le gars est champion d'échecs, dis donc. C'est le fils de Jean-Claude Andruet. Ça vous dit quelque chose ? Champion de France et champion d'Europe de rallye. Non, ça te dit rien ? Ben moi, je te dis que son meurtre va faire un peu de bruit. Hein. L'autopsie a lieu le lendemain. Alors, nous avons des coups violents qui ont été portés sur l'ensemble du corps avec, je dirais, un objet contondant. Un genre batte de baseball, vous voyez. Et alors l'un de ses coups lui a écrasé le larynx, et c'est de ça qu'il est mort, hein. Il est mort asphyxié. D'accord, autre chose, docteur ? Oui, on a trouvé des traces de rohypnol
dans ses urines. C'est un hypnotique très puissant. Comme toujours, les policiers plongent dans la vie de la victime, parce que c'est souvent là que se cachent les ennemis. Et ils découvrent un personnage totalement romanesque. Bon, eh ben c'est un sacré coco, hein, notre gars. Donc intelligent, évidemment, puisque il est champion d'échecs avec une mémoire probablement phénoménale. Mais alors, son entourage nous parle d'un type d'une désinvolture hallucinante. On nous raconte qu'au lycée, déjà, il séchait un cours sur deux alors qu'il était premier de la classe. Et que quand il revenait en cours, ben c'était les mains dans les poches. Et des gens nous ont dit que le jour du bac, il est arrivé avec 3 heures de retard. Et que le lendemain, pour l'épreuve de maths, il est allé faire ses courses avant de passer l'épreuve. Tu vois le genre. Mais bon, ça doit être un surdoué parce qu'il a quand même décroché le bac. Avec mention. C'est que dans ces années-là, ah ben il a la tête ailleurs, Gilles André. Les échecs, il n'y a plus que ça qui compte. En 5 ans, il passe du niveau de joueur modeste à celui d'adversaire redoutable. Et d'après les connaisseurs, c'était extrêmement rare. Gilles Andruet était ce qu'on appelle un surdoué. Un type à haut potentiel, comme on dit aujourd'hui, avec les défauts habituels des génies hors normes. C'était un type avec une tête à claque incroyable. Un type avec un melon de la taille d'une pastèque. Dans le monde des échecs, il avait une réputation épouvantable, due à cette manière de sourire qu'il avait dans les tournois. Le sourire d'un type dédaigneux qui se croit supérieur. Un jour, dans une finale, un joueur lui demande d'arrêter de sourire. « Écoute-moi bien, toi. Si t'arrêtes pas ton manège tout de suite, je te fous mon poing dans la gueule, t'as compris ?» Et l'autre, bardé de son grand sourire, lui répond « Eh ben chiche !» Et là, il la prend sa claque dans sa tête de tête à claque. Il prend même un coup de poing en pleine poire. Ce qui, dans le monde feutré des échecs, ne se fait pas trop, voyez-vous. N'empêche qu'en 1988, il devient champion de France d'échecs. Et donc, à partir de là, le type, il rêve d'une carrière internationale. Et on s'attend à ce qu'il devienne, je sais pas, champion d'Europe, champion du monde, ce que vous voulez. Eh ben, pas du tout. Du jour au lendemain, il arrête les échecs, figurez-vous. Et il se lance dans le blackjack. Il devient un rat de casino. On n'en a pas tous les jours, hein, des cadavres comme ça. Mais attention, il ne se lance pas dans le blackjack au hasard. Il se prépare pendant 1 an. Il sait qu'il a une mémoire exceptionnelle. Alors il met au point une technique de comptage des cartes. Il veut limiter au minimum la part du hasard. Dans le but, bien entendu, de s'en mettre plein les fouilles. La première fois qu'il joue au blackjack dans un casino, il empoche 600 000 boules. Et du coup, ben, il se met à faire le tour des casinos de France et de Navarre. Grâce à sa méthode, il gagne 8 fois sur 10. 8 fois sur 10, il repart les poches pleines. Il accumule une fortune. Et au vu de son melon et vu sa tête à claque, ça lui donne de l'assurance, le zozio. Trop d'assurance. Un jour à Ostende en Belgique, il va voir le patron du casino. Bonjour. Voilà, je voulais vous prévenir. Ce soir, je vais faire péter la banque. Et ensuite, si vous le voulez, je vous révélerai mon secret. Et en échange, vous me nommez directeur du casino. Ça vous va? Vous n'êtes pas le premier à jouer les marioles, monsieur. Mais ça m'amuse. Bon coup. Il s'installe à la table de blackjack et quelques heures plus tard, il a une montagne de jetons devant lui et toute une bande de fans éberlués agglutinés autour. Ça ne plaît pas du tout au patron. Il lui échange ses jetons contre des bifetons et le voilà interdit de blackjack au casino d'Ostende. Et petit à petit, c'est comme ça partout. Gilles Andruet devient tricard à toutes les tables de blackjack. Tant pis, il se lance dans la roulette.
Faites vos jeux. Rien ne va plus. Mais la roulette. La roulette, c'est un jeu de hasard. La mémoire ne sert à rien. Il perd tout l'argent qu'il avait amassé. Il est ruiné. Et c'est là qu'il tombe dans la drogue. Et que quelque temps après, il est assassiné. Qu'est-ce qui a attiré tout ça ? Eh bien, le mobile de crime. Le pognon ! Le pognon était au cœur de la vie de Gilles Andruet. Il en a eu, il en avait plus. Mais est-ce qu'il n'était pas en train de se refaire ? Souvenez-vous ce qu'il a dit au type à qui il a acheté la Ford Sierra. Ah, mais il m'a payé par chèque, mais en me disant de ne pas l'encaisser tout de suite et d'attendre le 22. Et il m'a dit que ce jour-là, il allait recevoir une grosse somme d'argent. Et cet argent qu'il attendait pour payer la voiture, d'où venait-il ? D'une partie de blackjack ? Non. D'un coup de poing à la roulette, alors ? Pas du tout. Cet argent qu'il attendait pour payer la voiture venait d'un héritage. Dans la boîte à gants de la Ford Sierra, on a trouvé un document signé d'un notaire. 18 jours avant sa mort, Gilles Andruet a touché 398 000 francs par chèque. Bon, t'as regardé s'il avait encaissé cet argent-là sur son compte bancaire ? Justement, son compte bancaire, c'est un vrai sujet. Andruet était interdit bancaire, figure-toi. Or, il lui fallait un compte pour encaisser son chèque. Et donc, il a fini par trouver une banque, qui est une banque marocaine, qui s'appelle la banque Chabi, qui est près des Champs-Élysées. Et t'as vérifié ? L'argent, il est sur son compte ? J'ai vérifié, bien sûr. Et la réponse est non. Le chèque a bien été encaissé sur son compte, mais aujourd'hui, le compte, il est à zéro. Alors bien sûr, j'ai demandé à la banque où était passé l'argent. L'argent a été viré sur le compte d'un certain Franck Liani, dont on me dit à la banque que c'est lui qui a aidé Gilles Andruet à ouvrir ce compte dans cette banque marocaine, malgré l'interdit bancaire. Je comprends pas. Enfin, comment ce type a pu siphonner le compte d'Andruet ? Eh bien, figure-toi qu'il avait une procuration. Pourquoi, ça, je sais pas, mais c'est comme ça qu'il a siphonné le compte. Ah ben voilà, on l'a, notre suspect, Franck Liani. Il aide Andruet à ouvrir le compte, il le zigouille et il siphonne son pognon. Autant vous dire que dans les heures qui suivent, le susdit Franck Liani se retrouve en garde à vue. D'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, je ne le connaissais pas, ce gars-là. C'est mon père, Joseph, qui m'a demandé de lui rendre service. Il le connaissait, je crois, des casinos. Il m'a dit qu'il avait un gros chèque qui allait arriver. Il était interdit bancaire, et donc, comme je connaissais bien la banque Chabi, j'ai accepté de l'aider à ouvrir un compte. D'accord, monsieur, d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il vous donne une procuration ? Oh, ça, c'est simple. Il devait s'absenter en Belgique. Alors il m'a demandé de récupérer l'argent et puis de le remettre en espèces à sa compagne, Hélène. Mais, monsieur, il y a quand même une partie de l'argent qui atterrit sur votre compte. Ah ben ça, ben, c'était ma commission. Donc, Liani prend sa com et le reste, il le donne à Hélène, la compagne de Gilles Andruet. Il raconte que la remise de l'argent a eu lieu place d'Italie dans le 13e arrondissement de Paris. Mais le problème, c'est que cette Hélène, elle n'existe pas. Il dit que c'est une Asiatique, n'importe quoi. L'entourage de Gilles Andruet est formel, il ne fréquentait aucune Hélène et aucune Asiatique. Liani a gardé tout l'argent pour lui. La voilà l'hypothèse la plus probable. Mais est-ce qu'on peut en conclure que c'est lui qui a tué Gilles ? La réponse est non, parce qu'à l'heure du crime, il travaillait dans un restaurant et qu'il y est resté jusqu'à 2 heures du matin. Il ne peut pas
être l'assassin. Alors si ça n'est pas lui, c'est donc que c'est son père, Joseph. C'est le père qui lui a demandé d'ouvrir le compte. Il savait que Gilles Andruet allait toucher une grosse somme. Mais son interrogatoire ne donne pas grand-chose. Et de toute façon, dans l'immédiat, les policiers ont d'autres chats à fouetter. Car le père de Gilles, le coureur automobile Jean-Claude Andruet, vient de leur envoyer une amie de son fils, Yolanta. Elle dit qu'elle a des choses intéressantes à raconter. Elle aurait vu Gilles le soir de son assassinat. J'étais au restaurant dans le 9e. Et alors un peu avant minuit, j'étais sur la terrasse où je fumais une cigarette. Et là, j'ai vu Gilles s'arrêter en voiture devant le restaurant. Il était au volant et il y avait un homme juste à côté de lui et aussi deux autres hommes à l'arrière. On a discuté quelques minutes et puis il est reparti. Mais je l'ai trouvé nerveux. Et les hommes qui étaient avec lui, mademoiselle, vous pourriez les décrire ? Ceux de derrière, franchement, non, je les ai pas bien vus, mais celui de devant, oui. Je dirais la quarantaine, assez corpulent, et il avait une moustache. Un type avec une moustache ? Mais il a une moustache, Joseph Liani, le père. Les flics organisent immédiatement ce qu'on appelle un tapissage, c'est-à-dire qu'ils collent le père Liani au milieu de toute une ribambelle de policiers à moustache. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, vous êtes derrière une vitre sans teint, ils ne peuvent pas vous voir. Est-ce que parmi ces hommes, vous reconnaissez celui qui était dans la voiture à côté de Gilles Andruet ? Prenez votre temps. Non. Non, j'en reconnais aucun. Sauf que ça se voit. Elle est morte de trouille. Elle est terrorisée. Elle tremble comme une feuille. Et en partant, elle chuchote au policier. C'était le numéro 2. Le type à côté d'Andruet. C'était le numéro 2. Et le numéro 2. Eh bien, c'était Joseph Liani, le père. Dans les jours qui suivent, elle reçoit plus de 30 appels de menaces. Pour impliquer le père et le fils Liani, les policiers manquent de pilles. Et pendant 4 ans, l'enquête patine. Et puis c'est souvent comme ça, un nouveau juge d'instruction est nommé et il se recoltine tout le dossier. Dites-moi, lieutenant, je viens de m'apercevoir que l'alaise qui entourait le corps de M. Andruet, elle n'a jamais été analysée. Ça ne va pas, ça. Hein, vous allez me l'envoyer tout de suite au labo. Hein, vous me tenez au courant ? Et sur la lèse, le labo isole 3 poils. Mais là, je vous demande de vous calmer. Parce que on est en 1999. Et à l'époque, on ne sait pas tirer un ADN complet d'un poil. La seule chose qu'on peut tirer d'un poil, c'est un ADN qu'on appelle mitochondrial, qui ne désigne pas un individu, mais une famille, via la lignée des femmes. Cela dit, dans cette affaire, ça pourrait suffire. Je vous informe, monsieur le juge, que nous sommes parvenus à rattacher l'ADN dégagé sur l'un des poils que vous nous avez confié à la famille Liani. Retour des Liani, père et fils, dans la valse. Les Liani qui ont aidé Andruet à ouvrir le compte en banque. Les Liani qui avaient une procuration. Les Liani qui, sans doute, ont siphonné l'héritage de Gilles Andruet. Monsieur Liani, comment est-ce que vous expliquez la présence de votre ADN dans cette alaise ? Oh, mais il n'y a rien de surprenant. Gilles, il a dormi plusieurs fois chez moi. Il a dû me piquer une alaise, et puis c'est tout. Plus c'est gros, plus ça passe. Sauf que là, ça ne passe pas. Joseph Liani et son fils Franck sont mis en examen pour meurtre et abus de confiance. Direction la prison. Dans le duo père-fils, le maillon faible, c'est le fils. Le père est un taiseux, c'est une bourrique.
Alors que le fils, c'est un bavard. Et c'est lui, Franck, qui balance son père. C'est mon père qui a organisé le meurtre de Gilles Andruet. Vous voulez dire que c'est lui qui l'a tué ? Non. Non, il a recruté un type qui s'appelle Loïc Simon. Et c'est lui qui l'a tué. Sauf que ce Loïc Simon ne va pas pouvoir confirmer. Il est mort. Il s'est suicidé en août 96, un an après le meurtre. Cela dit, même mort, il élargit le champ des suspects. Car il travaillait dans le même restaurant à Paris que Franck Liani, le fils. Un restaurant dirigé par un certain Sacha Roule. Ces trois-là, Loïc Simon, Franck Liani et Sacha Roule, étaient copains comme cochons. Ils passaient toutes leurs soirées ensemble et même leurs vacances. Et ce Sacha Roule a un casier judiciaire. Il a été condamné pour violence avec arme. Le juge demande au policier de l'entendre. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. J'étais au Maroc. Ok ? Vous pouvez vérifier, c'est pas compliqué. Je suis franco-marocain. On vérifie. Et après vérification, on s'aperçoit qu'il est rentré au Maroc le jour du meurtre. Et lui aussi charge son copain suicidé, Loïc Simon. Ah, c'est commode. Il ne pourra pas démentir. Loïc, il m'a dit un jour qu'il avait tué un joueur d'échecs à coups de batte de baseball. Alors sur le moment, moi, j'ai pas relevé. Il disait tellement de conneries, Loïc. Il était un peu mytho, quoi, je l'ai pas cru. Sacha Roule ressort libre. Mais quand même, avant de partir, on lui prend son ADN. On sait jamais. Les policiers retrouvent un autre copain de Loïc, qui lui aussi travaillait dans le restaurant de Sacha Roule. Loïc, il m'a dit, je vous le jure, ça, qu'il avait tué un joueur d'échecs à coups de batte de baseball. Et il m'a dit aussi qu'avant, il avait été drogué, le gars. Ah bon, drogué par qui ? Eh bien, drogué par Joseph Liani. Et il m'a raconté que Sacha Roule était là. Il m'a même dit qu'il était mort de rire. Ça tient la route, ça. Je vous rappelle qu'on a trouvé du rohypnol dans les urines de Gilles Andruet. Un hypnotique puissant. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas là le trio d'assassins ? Loïc Simon, Joseph Liani et Sacha Roule. À propos, il est où, Sacha Roule ? Ah, c'est ballot, il n'est plus en France. Son père dit qu'il est en voyage en Inde. Mais le juge pense qu'en vérité, il se planque au Maroc. Parce que là-bas, il semble qu'il ait des relations haut placées. Vous êtes déjà allé à Marrakech ? Le Palais Roule, ça vous dit quelque chose ? C'est un hôtel de luxe, de très grand luxe. On pourrait même dire un palace. À l'époque, Johnny Hallyday y avait ses habitudes. Au Maroc, les Roules sont riches, puissants et protégés. Le juge n'arrivera jamais à mobiliser la justice marocaine. Il finit par le mettre en examen en son absence. Au moment de boucler son dossier, voilà à peu près le scénario que retient le juge. Joseph Liani décide de tuer Gilles Andruet pour lui prendre son argent. Rien de plus. Il utilise son fils pour l'ouverture du compte en banque. Et il recrute Loïc Simon pour faire le sale boulot. Le rôle de Sacha Roule est un peu flou. Mais d'après le juge, il était là. Loïc Simon est mort. Le juge renvoie donc les trois autres devant la cour d'assises. Ce qui revient à n'en renvoyer que deux puisque Sacha est en cavale. Le procès s'ouvre le 7 novembre 2003, en l'absence de Sacha Roule qui est en cavale. Le président décide de disjoindre son cas. Il sera jugé plus tard, quand on l'aura retrouvé, si on le retrouve. Dans le box, il n'y a donc que Joseph Liani et son fils Franck. Et pendant tout le procès, leurs regards ne se croisent jamais, évidemment, puisque le fils a balancé le père. Et d'ailleurs, Franck dit d'emblée... Moi, mon seul rôle dans cette affaire, c'est d'avoir ouvert le compte en banque à la demande de mon père.
Alors pour le meurtre, vous voyez avec lui. Dans cette ambiance très tendue, la plupart des témoins convoqués se défilent. Ils sont 17 à avoir envoyé des certificats médicaux à la cour d'assises. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gésier anémié, l'estomac bien trop bas. Ils ont tous des excuses, mais en vérité, ils ont surtout très peur. Finalement, il n'y a que Yolanta qui a du courage, parce que malgré toutes les injures, malgré toutes les menaces, malgré tous les appels anonymes qu'elle a reçus, elle est là, terrorisée, mais elle est là. Est-ce qu'elle va désigner Joseph Liani comme étant le passager de la voiture de Gilles Andruet le soir du meurtre? Eh bien, on n'aura jamais la réponse parce que... Ah, elle s'évanouit. Elle est évacuée sur une civière. Et elle a de bonnes raisons d'avoir peur, Yolanta. Parce que le père de Gilles, Jean-Claude Andruet, vient montrer à la barre un blouson taché de sang. Vous savez à qui il est, ce blouson? Eh bien, il est à Yolanta. Et vous savez pourquoi il y a du sang dessus? Parce qu'elle s'est fait agresser hier soir et qu'elle a fini à l'hôpital Pompidou. À la fin, l'avocat général réclame 20 ans pour Joseph Liani et 10 ans pour Franck. Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe. Le père prend 15 ans et le fils 10 ans. Le fils accepte le verdict, mais le père fait appel. Une semaine après le verdict, coup de théâtre dans Paris Match. Le magazine publie une photo de Sacha Roule tranquillement installé à une terrasse d'un café de Marrakech en compagnie de son papa. On n'est pas prêt de le revoir. Sacha. Le procès en appel de Joseph Liani va contribuer à semer beaucoup de confusion dans cette affaire. Parce que figurez-vous qu'il est acquitté au bénéfice du doute. Eh ben voilà, il n'y a pas de coupable dans cette affaire. Le tueur présumé Loïc Simon est mort, le commanditaire désigné est innocent. Il ne reste qu'un espoir de boucler ce dossier. Sacha Roule. Puisqu'il se planque au Maroc, Sacha Roule est jugé par contumace. En son absence. Et à l'issue, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre. Sauf que ça tombe dans le vide, puisqu'il est toujours au Maroc, et que les Marocains se font tirer l'oreille pour l'extrader. Mais à force d'insistance, les Marocains finissent par l'envoyer en France en février 2010. Sacha Roule a été condamné par contumace. Il a droit à un nouveau procès. C'est la star du barreau, Éric Dupond-Moretti, qui le défend. Et pour Dupond-Moretti, bah c'est du billard. Parce que le dossier contre Sacha Roule est très mince. Il n'y a aucune preuve de son implication dans ce meurtre. Au point que l'avocat général lui-même demande son acquittement. Et au final, Sacha Roule est acquitté. Franck Lanny est donc le seul condamné dans cette affaire. Ce qui est sans doute assez éloigné de la réalité. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat en 1995 de Gilles Andruet, champion de France d'échecs et fils du pilote automobile Jean-Claude Andruet. Enquête qui n'a débouché que
sur la condamnation pour complicité d'un jeune homme nommé Frank Liani. Les deux autres protagonistes, dont le commanditaire présumé de ce crime, son père, ayant été acquitté. Et je débriefe cette histoire avec vous, Maître Garbarini. Vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile et en l'occurrence avocat du père de Gilles Andruet. Vous êtes d'accord avec ça? On est loin de la vérité de ce crime avec la seule condamnation de Frank Liani? Je partage tout à fait cet avis. On est très très loin de la vérité et ce dossier est un gâchis judiciaire. Comme vous l'avez dit dès le début, comment on peut expliquer ces 20 ans d'atermoiement judiciaire avant d'arriver à un procès? À la fin de l'histoire, vous qui avez lu d'un bout à l'autre le dossier d'assises, vous êtes sûr que c'est Loïc Simon qui a tué? Oui, ça c'est une certitude. C'est Loïc Simon. Ce qui est très important et qu'il faut savoir, c'est que en fait, Sacha Roule, qui aujourd'hui est acquitté, attention, et on ne remet pas en cause, et je me refuse de remettre en cause sa décision d'acquittement. En plus, ce qui s'est passé, c'est une faillite également policière. Parce que lorsque, par exemple, Sacha Roule est entendu, comme vous le dites, et qu'il donne des explications sur Loïc Simon, il va expliquer, comme vous l'avez dit, qu'il était au Maroc, ce qui est faux, puisque nous avons appris que le matin même où Gilles Andruet va être assassiné, eh bien, il rentre de Marrakech. Et il dit, moi je suis rentré de Marrakech, et d'ailleurs, je ne pouvais pas être sur les lieux parce que j'ai été arrêté à ma sortie d'avion, parce que j'avais une procédure contre moi, et on m'a notifié un jugement, donc j'ai dormi au dépôt. Et on le laisse partir, sans vérifier. Et en fait, on va s'apercevoir qu'en fait, au dépôt, il n'est resté que 2 heures. Il a été libéré, ce qui lui laissait la possibilité d'être dans la fameuse voiture qu'a vue Yolanda. Et le deuxième élément qui est très fort, il dit « Moi, je n'ai pas revu Loïc Simon ». Et lorsqu'on vérifie, mais après l'avoir libéré, on s'aperçoit qu'il a voyagé de Marrakech avec Loïc Simon, qui occupait le siège à côté de lui. Quel rôle on pourrait attribuer à Sacha Roule dans ce dossier, rappelant qu'il a été acquitté, que donc il est innocent? Le mobile du crime étant l'argent, Sacha Roule, il n'a pas besoin d'argent. Non, mais en fait, le mobile du crime, c'est l'argent, mais qui est lié au jeu. C'est-à-dire que, vous l'avez très bien expliqué, Gilles Andruet est une sorte de personne qui, en fait, a beaucoup de panache, mais comme l'avait son père. Son père, on en a parlé, c'était un pilote qui avait un panache extraordinaire. C'est-à-dire que les gens se déplaçaient pour le voir gagner le Monte-Carlo, parce qu'il était toujours à fond, il ne s'économisait pas. Et à l'époque, c'était la grande rivalité entre Jean-Claude Andruet et Bernard Darniche, les deux grands champions de rallye de l'époque. Je ferme la parenthèse. Donc lui, il avait hérité de ce panache du père. Et donc, lorsqu'il décide, il aurait pu continuer à jouer au blackjack et à gagner des sommes d'argent phénoménales parce qu'il arrivait à compter les cartes dans le sabot. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un défi à la roulette. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est repéré au casino de Deauville par Joseph Liani. Et Joseph Liani fait partie de ces joueurs qui jouent tout le temps, mais qui n'ont pas d'argent suffisant. Et ils vont, en fait, décider de faire un partenariat avec Gilles Andruet. Et donc, ce sont des partenaires ensuite. Et ils vont faire, avec l'argent qu'a vraisemblablement Sacha Roule, Frank Liani et Joseph Liani, ils vont parier sur lui, comme on parie sur un cheval. Et en disant, on te donne de l'argent et tu nous rapportes de l'argent. Et au début, ça marche, ce partenariat. Sauf qu'ils n'ont pas maîtrisé la folie, comme vous l'avez dit, de Gilles. Et Gilles, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va abandonner le blackjack et il va dire « je me lance dans la roulette ». Mais il abandonne le blackjack pour sortir de leurs griffes. C'est ça que j'entends. Aussi, et également parce qu'il est très téméraire et il se dit « moi, je vais réussir à gagner contre l'aléa de la roulette ». Je suppose, au procès en appel de Joseph Liani. Qu'est-ce qui fait qu'il est acquitté alors que dans le procès précédent, il est condamné à 15 ans? Qu'est-ce qui se passe qui justifie que les jurés aient eu un doute? Parce que le meilleur avocat de Joseph Liani a été Sacha Roule. C'est-à-dire que Joseph Liani, il a dit « moi, j'y suis pour rien, le commanditaire, c'est mon neveu ». Et son neveu, c'est Sacha Roule. C'est Sacha Roule. Regardez, d'ailleurs, moi, je suis là,
à répondre devant vous. Et lui, où est-il? Il est au Maroc, il se cache. Et donc, si vous voulez, les éléments qui, en fait, sont des éléments à charge, habilement, Joseph Léani les a retournés en disant que c'était pour lui des éléments de son innocence. Mais je ne comprends pas. Il est accusé par son fils, ce procès-verbal. Oui. Yolanta dit qu'elle l'a vu dans la voiture aux côtés de Gilles André. Deuxième accusation. Et surtout, on retrouve un de ses poils dans la laisse du matelas qui a servi à emballer le corps. Ça fait trois éléments assez convaincants de sa culpabilité. Pourquoi il est acquitté? Il est acquitté parce que, d'abord, Franck Liani ne comparaîtra pas. Les témoins, comme vous l'avez dit, il n'y en avait plus. Yolanda ne viendra pas témoigner là-bas, au procès en appel. Et surtout, encore une fois, la personne centrale, capitale du dossier en appel est devenue Sacha Roulle. Et c'est comme cela, il est acquitté au bénéfice du doute en disant « Moi, vous dites que j'étais présent, moi je le nie. Yolanda ne peut plus le certifier, elle n'est pas présente. Et donc, qu'est-ce qui reste dans le dossier? Rien. En revanche, il y a une personne qui est absente et qui fait tout pour ne pas être en France et ne pas être jugée. Et qui, en plus, a été jugée par la suite par contumace. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Sacha Roulle, de manière très habile, comme vous l'avez indiqué, a toujours dit qu'il avait la double nationalité. Oui. Et c'est moi qui vais me rendre compte que c'est faux. Parce que lorsque j'ai repris les PV, je m'aperçois qu'en fait, il a toujours dit qu'il avait la nationalité française. Et l'acquisition de la nationalité marocaine, il l'a eue postérieurement au fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans cette hypothèse-là, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une nationalité marocaine pour ne pas être extradé. C'est-à-dire que comme au moment des faits, vous étiez français, vous devez comparaître en France. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour lequel je me suis battu, parce que ça a été très, très, très compliqué, j'ai eu un coup de chance énorme, c'est qu'il y a eu l'affaire Krombach, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de ce médecin allemand exactement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit au procureur général qui était M. Yves Bott à Paris, et je lui ai dit donc, si je comprends bien, je vais demander à M. Jean-Claude Andrewet d'employer la même méthode que le père de cette jeune fille, c'est-à-dire d'envoyer des hommes armés, kidnapper M. Roulle au Maroc pour qu'il soit présenté devant la justice française. Et 15 jours après, le Maroc a décidé d'extrader monsieur Sacha Roulle. Voilà la situation. Mais tout ce temps perdu a fait qu'on a eu une déperdition d'épreuves énorme. Et le point final, pourquoi monsieur Sacha Roulle est acquitté? Moi, je l'avais dit à Jean-Claude. Oui, parce qu'on résume. Donc, Joseph Liani est acquitté parce qu'opportunément, on explique que c'est forcément Sacha Roulle, puisqu'il n'est pas là et qu'il est planqué au Maroc. Mais quand il est extradé, Sacha Roulle, il est acquitté. Donc, effectivement, il est l'homme qui permet l'acquittement de Joseph Liani, mais lui-même est innocent. Bizarre. Oui, pourquoi? Parce que Loïc Simon, son témoignage, il nous est rapporté de manière indirecte par un ami qui s'appelle Monsieur Delahore. Oui. Monsieur Delahore, c'est celui qui dit « Loïc Simon était très mal, il vivait très mal d'avoir tué Gilles André ». D'ailleurs, on apprend qu'en fait, il ne voulait pas le tuer. C'est-à-dire qu'en fait, il lui donne des coups parce que justement, il a perdu au jeu et que donc, ils vont se rembourser sur l'héritage de sa tante, de Gilles André. Et en fait, à force de le frapper à coups de batte de baseball, c'est comme ça que Gilles André meurt. Mais au départ, ils veulent lui donner une leçon. C'est une leçon qu'il va lui donner, mais ça dérape, comme on dit. Et Delahore, qu'est-ce qui se passe? C'est que le temps a tellement passé, c'est que lorsqu'il doit témoigner à la barre, et moi à l'époque, vous vous doutez bien qu'entre pénalistes, on se connaît très bien, avec Dupont-Moretti, il m'appelle et il me dit, le dossier, c'est un dossier d'acquittement. J'ai dit, ah bon? Il me dit, Delahore, il est schizophrène, il est à l'hôpital psychiatrique. Et donc, il n'y a plus de témoin. Et c'est pour ça que l'avocat général sollicitera l'acquittement lui aussi. Il n'y a plus de témoins, c'est-à-dire que Sacha Roulle, il y a sa version, et c'est tout. C'est votre client, Jean-Claude Andrewet, qui amène Yolanta à témoigner dans cette affaire. C'est elle qui désigne Joseph Liani comme étant aux côtés de Gilles Andrewet dans les heures qui précèdent le meurtre. Elle a payé ça très cher. Elle a été menacée, harcelée. Racontez-nous ça. Mais le premier procès a été un procès qui a été heureusement mené de main de maître par le président qui était Dominique Coujard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que des incidents
et notamment des incidents à côté de Yolanta. C'est-à-dire que Yolanta, elle a été hospitalisée. La veille, elle a dénoncé à la police où on l'a menacée, on est venu frapper à sa porte. Et ensuite, la personne a réussi à pénétrer, donc elle a été frappée. Elle est quand même venue à la barre. Elle a fini par, avoir cet évanouissement. Et donc, ça a été l'enfer. Et c'est Jean-Claude Andrewet qui s'est battu jusqu'au bout, qui n'a jamais lâché pour avoir le nom des assassins de son fils. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'est battu jusqu'au bout. Il est allé la chercher. Il l'a ramené, il l'a protégé en voiture. Qui est-ce qui menace ? Qui est-ce qui fait chanter ? Qui harcèle Yolanta? Je n'ai pas d'éléments, donc je ne vais pas accuser, mais je pense que si on est dans l'entourage de la famille Liani, ça c'est certain, c'est certain. C'est-à-dire que c'est une famille qui a beaucoup d'influence. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Franck Liani a été libéré, on ne l'a jamais retrouvé, et moi, je n'ai jamais réussi à obtenir où il était pour avoir la restitution des 380 000 francs dont vous parliez. Il a 380 000 francs sur le compte qu'il a récupéré à sa sortie de prison et on ne sait pas où il est. Il les a récupérés ? Il les a récupérés et on ne sait pas où il est. Moi, j'ai fait des enquêtes. Je l'avais à un moment donné, j'avais appris qu'il travaillait et qu'il était le patron d'une petite échoppe de kebab au début de la rue Dauphine. Eh bien, en fait, je l'ai su une semaine après, je ne sais pas comment il l'a su, il a déménagé et on ne l'a plus jamais retrouvé dans cette échoppe de kebab. Ça fait 50 000 euros. Je vous remercie beaucoup, Maître Garbarini, d'avoir réveillé ces vieux souvenirs et d'avoir évoqué votre jeunesse, parce que vous étiez tout jeune avocat, n'est-ce pas, à l'époque ? Absolument, oui. Absolument, oui. C'est un de vos premiers gros dossiers ? Oui, oui, c'est un dossier superbe, superbe. Et Jean-Claude Andrewet, il n'a pas voulu m'écouter, parce qu'en fait, moi, je ne voulais même pas qu'il participe au dernier procès. Mmh. Je voulais qu'en fait, il fasse une déclaration à la presse en disant « Comment voulez-vous que je réussisse à avoir la vérité ?» 20 ans après, et aujourd'hui, tous les témoins sont ou décédés, ou sont malades, ou ont eu peur. Voilà. Mmh. Donc, non. C'est un fiasco, c'est une faillite judiciaire énorme. Merci, Maître Garbarini, merci d'avoir réveillé tous ces vieux souvenirs.